donner, mais je vais vous dire quelqu'un de mal. C'était de l'eau. Donc, disons que 10% vont être à l'extérieur, 90% vont être dans l'eau. Mais pourquoi je vous parle de cette image-là? Parce que, dans ma façon de voir les choses, la partie extérieure, en dehors de l'eau, c'est les choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Chose que j'essaie, normalement, d'une façon... Moi, je dirais ça, là, normal, je suis reconnaissant d'avoir ça. Par contre, il y a beaucoup de choses que je ne suis pas encore reconnaissant. Je viens de raconter un peu l'histoire du métro de Montréal. Quand on prend le métro pour aller au travail, pour aller à la maison, normalement, on ne pense pas à ça. Mais si on réalise que le jour que le métro s'arrête, c'est la complication totale, on perd nos horaires, on perd nos rendez-vous, etc., on réalise qu'il y a quelque chose que j'avais qui vient de manquer. Donc, je ne suis pas encore reconnaissant au fait que Montréal a un métro. Peut-être. Et là, qu'on puisse imaginer à partir de maintenant, oh, c'est vrai. Puis si on fait un exercice une réflexion intime, on va voir qu'il y a beaucoup de choses. On a une place où habiter, on a accès à une voiture, on a une famille, on a des amis, on peut manger à notre faim tous les jours. Quand je voyais des images des gens qui fuient la guerre dans des pays comme genre la Syrie, des trucs comme ça, c'est des gens qui n'ont pas de place où habiter, qui dépendent de la volonté des gouvernements où ils sont pour pouvoir être nourris. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. Mais ce n'est pas très difficile qu'on tombe dans une situation. Si on est dans un pays, soudain, il tombe en guerre, là, ça se peut qu'on ait aussi amené à vivre ce genre de situation. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on n'a pas besoin de vivre ça pour être reconnaissant. Parce que je peux vous assurer, une personne qui est réfugiés, c'est ça le mot que j'ai cherché. Les gens qui sont réfugiés, mais qui sont capables de trouver une place où habiter, un endroit où bien la c'est une phrase que j'ai marquée ici, qui m'a marqué ma vie depuis l'enfance. Il est merveilleux d'avoir si peu à demander et tant à remercier. J'étais à l'église, j'avais peut-être 9 ans, 10 ans, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Dans une rencontre des familles, il y avait quelqu'un qui avait dit cette phrase-là. Dans une prière, on était un groupe, peut-être une trentaine de personnes. Moi, j'étais avec ma famille. Il y avait quelqu'un d'une autre famille, un monsieur, qui avait dit cette phrase pendant sa prière. Il est merveilleux d'avoir si peu à demander et tant à remercier. Sincèrement, pour moi, ça sonnait bizarre. Parce que moi, je viens d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, dans ma tête, j'avais besoin de demander beaucoup. Là, mes collègues d'école, ils avaient si, ça. Moi, je n'en avais pas. Donc, je me sentais un peu inférieur dans un sens. Donc, je me disais, non, j'ai beaucoup à demander. Mais là, c'était beaucoup au niveau vraiment financier. Tu sais, les gens riches de l'école qui prennent des vacances, qui partent à l'étranger, à l'époque, visiter d'autres pays,
n'y a pas que j'étais enfant. Prendre un avion au Brésil pour aller visiter un autre pays, c'est comme impensable. Ça n'existait pas. Donc, certains collègues qui me disaient « Ah, on est allé en Italie pour mes vacances, on est allé visiter ma grand-mère, mon grand-père. » Pour moi, c'est comme ça. Mais quand j'ai écouté cette phrase, elle m'a marqué parce que la personne qui l'a prononcée d'une façon tellement émotive, avec tellement d'émotion, ça m'a marqué. Mais quand on est capable de reconnaître ça, c'est parce qu'on est dans cette phase, on est dans la phase de reconnaître les choses, de devenir reconnaissant, d'avoir cette gratitude envers des choses que normalement on n'en a pas. Et puis, dans le même modèle, il y a d'autres phrases que je vais vous écrire. La partie en haut, c'est ce que je veux avoir ou être. La partie en bas, c'est ce que j'ai ou je suis déjà. Ça aussi, c'est important de pouvoir réaliser. Je suis une formation d'ingénieur électrique. J'ai une famille. J'ai une maison, un appartement, j'ai une voiture. C'est ce que je. Mais tout est là. Parce qu'en fait, je veux d'autres choses. Qu'est-ce que je veux avoir ou être? Bon, comme n'importe quelle personne, beaucoup de gens vont dire ce que je veux être riche. Là, on pense qu'être riche, ça peut régler beaucoup de choses. Je veux avoir une autre profession qui me paye un peu plus. Je veux être millionnaire. Je veux avoir une grosse maison en Floride pour passer l'hiver en Floride, etc. Mais j'ai beaucoup de choses. C'est ça qui est peut-être le plus important, de penser à ce que j'ai déjà. J'ai ma vie déjà. Si vous n'avez jamais pensé à ça, c'est peut-être pas vrai ce que je viens de dire, mais si vous n'avez jamais pensé à ça, essayez de faire cette réflexion. Vous allez comprendre pourquoi je mets ici, comme un iceberg, la partie cachée est beaucoup plus grande. Parce qu'on a beaucoup plus que ce qu'on imagine et qu'on pense. Souvent, on ne réalise pas qu'on a certaines choses jusqu'à ce qu'on la perd. Normalement, c'est comme ça. Donc, qu'on puisse avoir cette idée dans la tête. Puis, il y a une autre phrase importante aussi. Ne te plains pas de ne pas avoir tout ce que tu veux. Remercie tout ce que tu as déjà. C'est facile. Il y a un conférencier brésilien, une fois, il disait « Se plaindre de ce qu'on n'a pas, ça peut devenir une habitude, une mauvaise habitude. Se plaindre de regarder ce que je veux avoir, ce que je veux être, et me dire « Ah, je ne peux pas être heureux parce que je n'ai pas ça ou je ne suis pas ça. » Vous comprenez un peu? Si on met l'emphase sur ce que je veux, ou ce que je veux devenir, si je ne le suis pas encore, est-ce que ça va être une raison de ne pas être heureux? Oui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Mais si on met l'emphase sur les choses qui nous manquent, on perd de vue ce qu'on a. Est-ce qu'on a beaucoup? On en a beaucoup. Mais si vous ne réalisez pas, imaginez cette image dans votre vie, faites la réflexion, puis essayez de ne pas vous plaindre de ce que vous n'avez pas. Pourquoi ça? C'est la même histoire du verre à demi-plein et demi-vide. C'est notre attitude qui va changer. Est-ce qu'on aime être dans un mode de se plaindre de tout? C'est quel genre d'énergie qu'on a en dedans de nous quand on se plaint? Quel est le genre d'énergie qu'on a en dedans de nous quand on remercie, quand on est reconnaissant? C'est notre choix, finalement. Décider qu'est-ce que je veux ressentir. C'est intéressant de dire que c'est un choix. Parfois, les gens ne voient pas de cette façon. Mais
je peux vous assurer, on peut changer notre façon de penser. Dans certains cas, je pourrais vous dire, on doit changer notre façon de penser. Vous allez voir, il y a des recherches scientifiques qui nous montrent pouvoir vivre les émotions. C'était comme un sommaire d'article. La gratitude améliore la santé physique. Étude de 2012, publiée dans la revue Personality and Individual Differences. La gratitude améliore la santé psychologique. Plusieurs études du chercheur Robert Emmon. La gratitude augmente l'empathie et réduit l'agressivité. Une étude de 2012, Université du Kentucky. La gratitude aide à mieux dormir. Étude de 2011, publiée dans la revue Applied Psychology. La gratitude améliore l'estime de soi. Étude de 2014, publiée dans le Journal of Applied Sport Psychology. Donc, quand on voit ça, on peut se dire, s'il y a des études qui sont faites, et si vous vous souvenez un peu de ce que vous avez ressenti au début de ma présentation, quand je vous ai invité de penser à quelqu'un envers quoi vous avez une grande reconnaissance, je vous ai demandé de ressentir, d'analyser le genre de sentiment que vous avez eu, je pense que les études que je viens de lister vous montrent quand même qu'il y a vraiment un bon côté pour ça. Là, je vais ouvrir un peu façon très particulière de voir le spiritisme. Moi, je vois le spiritisme comme quelque chose qui m'aide à devenir une meilleure personne, puis de vivre mieux. Donc, les efforts que je fais, normalement, c'est de vivre mieux. Vivre mieux, c'est quoi? C'est avoir de plus en plus de bons sentiments, de bonnes émotions, de ressentir le bonheur, disons comme ça, plutôt que ressentir la rage, la colère, l'impatience, etc. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec soi-même. Ce que le conférencier disait dans sa conférence, c'est que se plaindre est devenu une façon de vivre certaines personnes. On se plaint de tout. C'est une habitude. Est-ce qu'on a pris cette habitude? Chacun va vérifier soi-même dans quelle mesure c'est devenu une habitude. Et quand on va être, ça va être clair dans notre tête que se plaindre n'est pas le genre d'émotion qu'on veut vivre, c'est notre choix de nous arrêter de plaindre. Ah, est-ce que je peux m'arrêter de me plaindre? Oui, ouais, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien dans notre société. C'est vrai. Est-ce que j'ai le besoin, est-ce que je dois me plaindre de choses qui marchent mal? Oui, mais est-ce qu'on doit laisser aller les choses aller comme ça, dans la mauvaise direction? C'est pas ça que je dis. Vous travaillez pour une cause. Parce que vous croyez qu'il faut changer, peu importe la cause. Vous n'avez pas besoin de travailler pour cette cause dans un mode plein. Vous pouvez travailler pour cette cause dans un mode, mettre l'effort d'être optimiste, d'être positif, pour continuer à travailler pour la même cause. Sauf que vous changez la façon que vous ressentez. Parce que la décision de faire un beau vient de faire des choses. Il y a beaucoup de la vie. Ne pas se plaindre, ça peut être un choix qu'on va faire.
Je ne sais pas si vous vous souvenez du nom, moi j'ai oublié le nom. Il y a quelqu'un dans une église américaine, une église évangélique américaine, qui a comme créé une méthode pour que les gens puissent diminuer la quantité de plaintes. Il a créé un bracelet qui est donné aux gens. Donc les gens vont mettre le bracelet. Et à chaque fois, pendant la journée, ils réalisent qu'ils sont en train de se plaindre, ils changent, ils mettent dans le poids. Donc, il a dit, les gens essayent de se dire combien de fois je vais changer de bracelet de bras aujourd'hui. Ils essayent de réaliser la quantité de fois qu'on se plaint. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour une raison utile, pour une raison, c'est parce que le pasteur il aime être important dans la vie? Non, c'est parce que lui, il a fait ça, puis il a réalisé que ça lui aidait à arrêter de se plaindre. Je répète encore, ne pas se plaindre ne signifie pas être d'accord avec tout. Pas ça. C'est le mode de vie de se plaindre de tout, de ne pas être satisfait. Et dans la lecture que Monique a faite au début, elle parlait de la résignation. Parfois, on va se plaindre à propos de certaines choses qu'on ne peut pas changer. Qu'est-ce que se plaindre d'une chose qu'on ne peut pas changer, ça sert à quoi? Ça sert à travailler du mauvais côté de notre vie. Mais qu'est-ce qu'on peut changer là-dessus? On ne peut pas changer. Mais est-ce qu'on doit être reconnaissant au Québec pour son hiver? Personnellement, je ne suis pas encore rendu à ce point-là, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui le sont. Des gens qui aiment le ski. J'ai un collègue qui travaille dans une station de ski. Il a hâte à chaque année qu'il arrive parce que ce qu'il aime le plus faire dehors, c'est travailler dans la station de ski. Donc, le monde est là, mais ce que je dis, je trouve intéressant, c'est que c'est notre façon de voir les choses. Ce n'est pas des choses en soi. C'est notre façon de voir. Oui? Je vais dire une chose, je réfléchis beaucoup à ça, à cette histoire. C'est très commun, mais ça vient des moines. Et je me souviens dans mon enfance, c'est loin. Pas si loin que ça. Que c'était comme avoir des prétentions. Ça, se plaindre, c'est avoir des prétentions. Et avoir des prétentions, c'est chic. Avoir des prétentions, c'est aristocrate. Ça fait de la classe. Tu as de la classe, bah, si tu te conformes avec tout, ça veut dire, si tu as de la gratitude pour tout, tu es. Tu vas jamais progresser. Non, tu n'as rien du tout parce que tu n'as pas de prétentions. Si tu n'as pas de prétentions, alors tu vas arriver à rien. C'est prétention ou ambition? Dans la mission, je prétends, oui, dans la mission, dans la mission. C'est comme aussi à l'école, qu'on te disait jamais les professeurs que tu as fait quelque chose de bon. Parce que ça te ferait un mauvais élève. Tant qu'ils te disent, tu n'as pas fait ça, tu as fait ça, tu vas essayer de progresser. Et c'est tout à fait le contraire. Moi, comme prof, quand on m'a donné la permission de dire aux élèves les nouvelles méthodes, j'étais heureuse comme tout, je dis, enfin, je peux dire, oh, tu as bien fait, oh, vas-y. Non, j'ai, dans mon école, dans mon enfant, on devait toujours voir le mauvais côté pour améliorer. Ouais, si on ne voit pas le mauvais côté, on n'améliore pas. Mais quand tu dis, des fois, il y a des ridicules parce que même si tu vois que la neige est là, si on se plaint de la neige, on ne peut pas l'améliorer. Parce que j'ai pas besoin de me plaindre de la neige. Mais c'est
en nous, c'est comme disait le cerveau là, que l'on a pris. Ouais, c'est oui. dans le cerveau, je ne sais pas quel limbique qu'on va utiliser. Non, limbique, je ne sais pas, parce que les animaux ne se plaignent pas de... Oui, c'est ça. Et, mais ça vient de loin. Oui. Ça vient de très loin. Alors, c'est d'abord, moi, d'abord, c'est ce que je fais pour m'améliorer. C'est d'abord voir qu'est-ce qu'on m'a mis dans ma tête, que c'est pas à moi. Ça s'appelle quoi? Connais-toi toi-même. Oui, mais je me rends compte qu'on m'a mis ça dans la tête et que c'est pas vrai en plus. Là, je découvre, par exemple, avec le sucre, qu'on m'a dit, oh, toujours le sucre, c'était bon, le carton d'énergie. Mensonge, c'est un poison. Oui! Je suis tout à fait d'accord. C'était chic, fumé, hein. Donc, oui, je suis contente que la société change, mais j'aime bien voir que c'est pas, ça veut dire qu'en fait, on doit faire double effort. Une fois nous débarrasser de ce qu'on nous a mis dans la tête, c'est pas un mot. Et d'autres, de remettre, de faire les plus belles choses par nous-mêmes, parce que moi, je veux faire comme ça. Oui, c'est ça que je disais, à propos de la neige, par exemple. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des sports d'hiver. Donc, la neige, pour moi, ce n'est pas une nuisance chaude. Mais j'essaie de ne pas me plaindre. J'essaie de vivre avec ça. Un avantage de la neige, c'est que ça apporte beaucoup de lumière en hiver, dans une période où il y a peu de lumière. Voilà. Oui, c'est une façon. Ça pourrait la réalité est la neige. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est le mois de novembre, c'est très sombre. On attend la première neige, on attend, C'est très esthétique, moi j'adore. Oui, c'est vrai, La ville est très belle, les arbres sont très beaux. Ça change l'ambiance, ça change le visuel. Mais le message est vraiment, vraiment important, c'est un choix, c'est notre choix. Parce qu'on subit pas les choses. Donc, si on considère qu'on subit des choses, on va se sentir victime. Et là, la psychologie nous explique c'est quoi le syndrome de la victime. Blablabla. Mais si on est capable de réaliser certaines choses, comme toi tu viens de dire, c'est important pour notre façon de voir le monde, qu'on puisse vivre mieux. Oui? Moi, j'avais vu un truc. Je vais juste le rappeler parce que je suis. Ça correspond bien à l'attitude quotidienne. C'est genre, merci pour la vaisselle à laver, parce que sinon je n'aurais rien mangé. Oui. Merci pour une facture d'électricité, parce que sinon je n'en aurais pas. Merci pour l'essence, parce que j'ai une voiture. Merci. Hein? Voilà. Tu sais, comme ça, puis il y avait, comme je ne sais pas, 10 choses comme ça à lire. Là. Ça. Merci pour, pour que j'ai pile de linge à laver. C'est parce que j'ai des enfants. Sinon, je serais seule et j'en aurais moins. Hein, c'est ça la partie cachée de l'iceberg que je vous montre. Quand on lit des choses comme ça, ça nous touche parce que c'est comme ça. Parce que c'est vrai. On regarde ça. Tu peux? Vas-y. Il y a une autre chose que ça vient aussi de. Que j'ai appris parce que j'ai voyagé beaucoup et j'ai toujours demandé de l'aide. Indirectement, directement, me mettre dans la situation d'être aidé. Alors, j'étais gênée parce qu'on m'a appris d'être gênée quand on a besoin de m'aider. Ouais, ouais. Comment je veux accepter ça si je ne peux pas rendre? Parce que généralement, on t'aide, qui te donne de l'argent, par exemple, c'est parce qu'il a plus que toi. Qui te donne de l'information, qui te donne de Que...
dans une situation pire que la tienne. Oui. Et tu peux toujours aider quelqu'un qui est dans cette situation-là. Alors, ce n'est pas celui qui t'a donné que tu vas donner, mais tu vas donner à un autre, ça revient au même. Voilà, ça, t'as tout compris. Et moi, j'ai accepté de l'aide très facilement et j'ai donné aussi parce que c'était comme une rétribution à l'univers. Est-ce que ça me représente un peu que Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres, selon moi, c'est ça. Oui, mais c'est un peu abstrait. Quand on voit c'est un peu abstrait quand on voit aimez-vous les uns les autres. Oui. Quand on voit des choses concrètes, on se rend compte. Alors, j'accepte l'aide de lui parce qu'il veut m'aider et il a de quoi. Et je veux donner à mon tour parce que je ne peux pas le prendre, parce qu'il n'a pas besoin de mon aide. Mais c'est comme ça que ça marche, exactement. C'est ça. Ça tombe. Et encore plus, tu lui rends quelque chose en lui demandant l'aide. C'est ça que tu lui disais. Tu lui donnes quelque chose en lui demandant l'aide. En acceptant son aide, tu lui donnes la joie de le vivre. Ah oui! Mais c'est ça que je disais, oui! Il y a cette relation, oui! Ça, souvent, on veut donner. C'est plus facile de donner que de recevoir. Mais il faut comprendre aussi que recevoir, c'est recevoir de l'aide. C'est pas juste une lance, des fois, une matériel et un patin. Mais recevoir de l'aide, c'est de m'accorder à l'autre de donner. Quand je donne, l'autre, il faut bien qu'il accepte. Il y a quelqu'un qui accepte ce que je veux, ce que je veux. Oui. Puis je suis contente parce qu'ils l'ont accepté. Donc, demander de l'aide, c'est aussi accorder à l'autre l'aide, de la joie de pouvoir donner. Mais c'est ça la vie dis, en société, donc, c'est ça la si solidarité, la fraternité. Tu lui donnes pas pour le tuyau, tu lui donnes pas un autre tuyau comme il t'a donné, mais tu lui donnes autre chose. Oui, exactement. Oui, en acceptant son aide. Puis là, après, il faut apprendre à demander de l'aide, justement, pour permettre à l'autre de t'aider. Écoute. Tout à fait vrai. Mais on nous a enseigné que demander de l'aide, c'est C'est de venir montrer la faiblesse. Se montrer qu'on n'a pas. Se montrer une faiblesse. Oui, ça se fait pas. Bon, il y a un livre qui s'appelle Santé spirituelle. En fait, ça s'appelle Saoud spirituel, mais il n'a pas encore été traduit. Et dans ce livre, il y a une chose que je trouve importante, c'est pour ça que je l'ai mettre ici. Il dit que une des conditions importantes pour notre vie, c'est cultiver une profonde. Ça veut dire qu'on a reçu quelque chose. D'abord, c'est exactement la vie physique. On a eu un père et une mère pour pouvoir avoir un corps physique. Puis tout ce qu'on a de la vie, j'appelle ici Dieu, là, tout ce qu'on a, ça fait partie d'un package qui est offert à nous. Dans quel but finalement? Pourquoi on a la vie? Pourquoi on a toutes ces choses-là? Pourquoi l'objectif? C'est ce qu'on disait. Notre objectif en tant qu'être spirituel, qu'être incarné, c'est notre évolution vers la perfection. Donc, qu'on puisse voir ce qui arrive avec nous, notre vie, notre situation, tout ce qu'on a autour de nous, comme un cadeau de Dieu pour nous permettre d'aller vers cette évolution, aller vers cette perfection. C'est le travail qu'on fait chaque fois. Donc, si on réalise que tout ce qui nous arrive fait partie de ce concept de nous aider dans notre évolution, on pourrait dire, il y a des choses que je ne comprends pas trop pourquoi elles se passent comme ça. Mais si je considère que cette chose-là va avoir un effet positif dans mon évolution, je ne la vois peut-être pas maintenant. Mais quelque chose va être changé en moi grâce à ça. Puis
c'est ça qui est important d'avoir comme idée, parce que là, on arrête de se plaindre. Parce que le manque de quelque chose ne sera plus tout simplement le manque d'une chose. Ça va être une situation que la vie nous présente pour qu'on puisse, en bon québécois, qu'on puisse dealer de la meilleure façon possible avec cette chose-là. Quand on va dealer avec la maison, on va simplement parce que nous, on est mieux dans ce qu'on vit. On est, comme on dit, on est bien dans notre peau. Donc, dans le livre, il nous dit ça aussi. Il est fondamental de voir la vie comme un cadeau, quelle que soit la circonstance dans laquelle elle se présente à nous. Non seulement en temps de joie, de bonheur, de bonne santé, mais aussi dans la douleur de l'expiation, ou bien par des invitations à l'amour dans l'épreuve. Donc, être reconnaissant envers la vie, quand on a du bonheur, de la joie, de la bonne santé, c'est facile. Mais être reconnaissant envers la vie, quand on a la douleur de l'expiation, on a les invitations qui disent, les invitations à l'amour dans l'épreuve, si on revient un peu à ce qu'on dit souvent dans le spiritisme, on est dans une planète d'expiation et d'épreuve. C'est ce qu'on a à vivre ici. Pourquoi on est ici, on ne sait pas trop. Mais si on est dans un monde d'expiation et d'épreuve, c'est sûr qu'on va vivre des expiations et d'épreuve. Et il y a une raison, il y a un objectif, il y a un but pour ça. Peut-être qu'on ne le connaît pas, on ne croit pas, mais qu'on puisse avoir l'humilité de dire « Ok ». Kardec dit qu'on pourrait voir la Terre comme un hôpital, comme même une prison, comme une place pas très brillante par rapport aux autres places de l'univers. Donc, ça veut dire qu'on mérite d'être ici, on a besoin d'être ici. Si on a besoin d'être ici, on va vivre ici de la meilleure façon possible. Oui? Oui. Toutes ces choses, on peut les vivre en si vous allez visiter quelqu'un à l'hôpital, c'est à moi que vous me demandez. Si vous donnez quelque chose, si vous aidez quelqu'un, c'est à moi. C'est ça ce que tu dis, que tu dois ouvrir envers Dieu. Parce que Dieu est dans toute personne. Dieu est en nous. Et tous les messages arrivent à travers des gens. Dieu ne peut pas descendre à dire « je te connais demain ». Parce que ce n'est pas possible à cause de l'énergie, ce n'est pas parce qu'il nous parle. Je crois que son énergie est tellement grande. Il y a des messagers. Qu'il nous aurait détruits. Oui, mais nous sommes les messagers. Chacun d'entre nous, en plus des anges et des êtres de lumière qui sont dans un autre niveau, mais à l'autre niveau, c'est les uns les autres qui ont su Dieu à nous qui nous fait réagir d'une façon ou d'une autre. Toi, tu as une vision du monde comme ça. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas cette même vision. Il y a des gens qui vont ressentir peut-être que les difficultés sont trop importantes, que la vie n'est pas un cadeau. Ils vont dire qu'ils souffrent beaucoup. Oui, ça se peut. Mais quand on est capable de voir, de réaliser le but principal de notre vie ici, n'est pas d'avoir une grosse maison, une grosse voiture, puis une maison en Floride, c'est pas ça l'objectif de notre existence.
Mais la société, la télé, les médias, ils nous mettent ça dans la tête parce qu'ils veulent qu'on consomme. Consommer, ça signifie avoir. Faut avoir, faut acheter. On peut faire de voir. Que si bien. De se sentir pas très bien qui finit par nous pousser à chercher quelque chose d'autre. C'est comme ça que moi j'ai connu le spiritisme. J'ai vécu des situations difficiles. Quelqu'un m'avait parlé du spiritisme comme quelque chose qui pourrait m'aider, mais quand je suis allé la première fois en Saint-Spirit, j'ai rien vu qui était intéressant pour moi. Je trouvais trop de Jésus, trop de religion dans le Saint-Spirit, tout ça, ça ne m'intéressait plus. Mais ça m'a pris un an et demi, puis beaucoup de souffrance personnelle pour que je décide de retourner au Saint-Spirit avec une autre mentalité. Dans la mentalité, oui, je ne suis pas bien, oui, j'ai besoin d'aide, oui, quelqu'un m'a dit que dans un Saint-Spirit, peut-être on va trouver de l'aide. Donc, je suis allé là-bas avec une autre. Mais ça m'a pris, dans mon cas personnel, des moments de souffrance, de difficulté, congé médical, psychothérapie, des trucs comme ça. C'est ça qui a peut-être m'a mis plus en contact avec moi-même. C'est là que j'ai pu ouvrir un peu ma tête, mon esprit à cette idée. Parce que pour moi, la religion à cette époque-là, j'étais catholique et jusqu'à genre 17-18 ans, puis j'étais comme, j'avais perdu l'intérêt par ma religion. Je suis allé dans le Saint-Spirit, on parlait beaucoup de Jésus, je ne comprenais pas trop, j'ai dit, je suis de retour à l'église, ça n'a pas de sens. Mais, j'ai décidé de retourner parce qu'il m'a mis dans le chemin, ils sont gens. Avec amour comme un cadeau divin, va nous permettre, dans les situations qui génèrent du plaisir, on va avoir un plaisir avec équilibre, sans attachement. Si je vis la vie avec amour comme un cadeau divin, je vais vivre les plaisirs de la vie. Je sais pas, j'adore faire ce qu'ils font en béton, puis là, je vis ça avec un plaisir énorme. Et si dans deux semaines, j'ai un accident, puis j'ai une jambe qui est comme paralysée, je ne pourrais plus faire ce qu'ils font en béton. Que je puisse vivre ça sans attachement, c'est-à-dire. Je ne veux pas vivre la perte de l'autonomie, la perte du mouvement de ma jambe comme un châtiment divin, etc. Je vais dire, oh, pendant le temps que j'aimais, que je pouvais faire du ski-fond, je l'ai fait, j'ai adoré ça. Et là, je ne peux plus. Mais tu vas rester à la maison et peut-être que tu vas trouver une chose exceptionnelle. C'est ça, c'est des nouvelles situations. C'est ça, tout est bien fait. Et quand on vit dans cette situation, dans des situations qui nous apportent des difficultés, on va se concentrer sur l'apprentissage en cherchant des solutions. Quand on regarde ça, on dirait que c'est l'idéal de vie. Quand tu as des bonnes choses à vivre, tu les vis, on y revient. Si tu as des difficultés à vivre, tu apprends quelque chose. Oui? Juste la question de bien se comprendre sur les mots. Quand on dit plaisir, c'est sensuel, en fait. Trop sensuel. C'est plus que je génère de la joie, des joies. C'est bien que tu dises. Oui, petite précision. Puis des joies vécues avec l'équilibre sans attachement matériel. Parce qu'on s'attache aux autres, aux individus, mais on ne peut pas s'attacher au bien. Je fais une petite distinction. Donc, c'est intéressant parce que c'est traduit du portugais. Ah, okay.
l'idée de ce genre de vie, c'est la sagesse, le bonheur. Mais ça, c'est, disons, l'idéal. Mais il va nous montrer aussi, ça peut passer différemment. Si on vit la vie centrée sur notre ego, on va chercher des situations de joie seulement, comme tu dis. Et on va vivre ces situations coûte que coûte, avec cet attachement que j'ai dit. Dans les situations plus difficiles, qu'est-ce qu'on fait? On vit avec cette révolte face aux difficultés. Puis là, le fait que je suis dans un mode révolte, je ne suis même pas prêt encore à trouver des solutions, donc je vais me sentir dans l'impossibilité de résoudre le problème, ça va me causer la douleur. Donc, ça, c'est une façon qu'ils ont comme les deux catégories. Ouais. C'est ça, c'est bien. Mais là, maintenant, plaisir, il y a cette place. Oui, là, ça, oui, oui. Ouais, parce que dans l'ego, c'est vraiment du plaisir. Ouais. Tout ce que la joie nous dit. Donc ici, encore, on revient à l'ego et la place qu'on donne à l'ego dans notre vie. Oui? Je pense que c'est, moi, je me suis visuel, je trouve que la douleur, là, donc la fait, on arrive, les deux chemins à, juste l'autographie, tu changes là, aussi, l'autographie, les deux fois, on arrive toujours à la douleur. Oui, parce qu'on part d'une mode de vie basée sur l'ego. Mais je vais chercher la solution. Non, mais c'est ça. La douleur, c'est pas la raison, c'est pas le but d'avoir cette douleur. Si, il y en a. C'est de te faire réfléchir. C'est exactement te faire réfléchir et dire, oh, ça, c'est pas la bonne façon de faire les choses. Parce que chaque fois que je fais des choses de cette façon, je trouve des problèmes. Je suis jamais satisfait. Il y a une chanson, je ne sais pas si c'est Rolling Stones qui dit toujours avoir plaisir, toujours, toujours. Satisfaction. Satisfaction, oui. Donc, est-ce que c'est la bonne façon de vivre? Quand on est dans un monde purement matériel, ça, on a déjà entendu dizaines et dizaines de fois, on a une seule vie, donc il faut tout faire dans cette vie. C'est une façon de voir. Oui, c'est une façon de voir. La personne qui pense qu'elle a une seule vie, elle veut tout faire dans cette vie, elle va vivre en conséquence. Mais ça se peut que dans sa façon de vivre, elle va entrer par ici ou par ici, et finalement elle va tomber dans la douleur. Ce que je vous raconte de ma propre expérience, comment j'ai connu un Saint-Esprit, c'était la curiosité. Et comment j'ai pris la décision d'aller participer du travail dans le Saint-Esprit, c'était la douleur. Donc, à ce niveau-là, la douleur fait en sorte qu'on change. En portugais, il y a l'expression, je ne sais pas comment on dirait en français, l'amour est contre le peut-être que dans cette planète-ci, dans une planète d'épreuve et expiation, ça se peut que ce soit la meilleure façon de nous réveiller. Quand on va être réveillé, quand on va être plus. On n'aura plus besoin de ce genre de situation, peut-être on n'aura plus besoin de rester sur cette planète, on va incarner ailleurs. C'est dommage, pas. Ouais. C'est dommage, pas. Elle est belle comme planète. Donc, comparé à d'autres. Imagine les autres. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Quand on a cette idée un peu ouverte que. Ça se peut qu'on puisse vivre ailleurs, qu'on va vivre plusieurs vies, qu'on est immortel, ça change complètement. Ça nous oblige à réfléchir d'une façon différente. Surtout parce que avoir l'idée qu'on a une seule vie, ça ne veut pas dire qu'on va être des mauvaises personnes. Je connais quelqu'un qui est athée, un monsieur qui est athée, il dit « je crois à rien, cette histoire d'esprit, vie après la mort, non, je crois à rien ». Mais c'est quelqu'un de très, très généreux.
m'a dit une fois, si je peux aider quelqu'un, pourquoi je ne le dirais pas? Pas besoin, si la personne est bien, elle vit bien, pas besoin d'avoir une religion, pas besoin de croire à la réincarnation. Non! Si la vie de la personne va bien, si elle se sent bien, elle ne va pas avoir des raisons, disons, de changer. Mais ce que je vous montre ici, c'est sûr que si tout va résulter, ça va avoir comme résultat la douleur, on va essayer, on va trouver des choses à faire pour changer. C'est là ce qu'elle disait. À un moment donné, quelqu'un va nous donner l'idée, pourquoi tu ne vas pas lire telle chose? Pourquoi tu n'écoutes pas dans tel film? Pourquoi tu ne parles pas à telle personne? C'est des choses qui nous aident. Moi, le livre « Le pouvoir du moment présent », je vous en parle, parce que lui, il a comme changé ma vie, changé ma façon de voir ma vie. Donc, quelqu'un m'en avait parlé. Pour moi, c'était un messager qui me disait « Lis ce livre-là, ça va être bon. » Puis là, il y a comme un extrait que je dois vous avouer que la première fois que j'ai lu cet extrait, on l'a trouvé ici, c'est « L'évangile selon le spiritisme ». Ça m'a plus ou moins choqué, là, vous allez voir. Mon père, que votre volonté soit faite et non la mienne. S'il vous plaît de m'éprouver par la douleur et les tribulations, soyez bénis, car c'est pour mon bien. Je le sais, que votre main s'apaisantisse sur moi. S'il vous convient, Seigneur, d'avoir pitié de votre faible créature, si vous donnez à son cœur les joies permises, soyez encore béni. Mais faites que l'amour divin ne s'endorme pas dans son âme et que sans cesse elle fasse monter à vos pieds la voix de sa reconnaissance. Je dois vous avouer, la première fois que j'ai lu ça, j'ai trouvé ça tellement lourd. Ça m'avait fait penser, ceux qui sont catholiques, peut-être vous allez vous souvenir. Juste avant la communion, on doit faire une prière qui dit à peu près ça. Je ne vaux rien, mais un seul mot. Je ne suis pas digne de te recevoir. Comment? Oui, exactement. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu sonnes même parole et je serai. Moi, j'ai trouvé ça à l'époque, là, j'ai trouvé ça trop humiliant. C'est comment ça? Je ne vaux rien, puis là, une seule parole, ça va comme couler. Oui, j'ai trouvé ça. Puis quand j'ai lu ça la première fois, ça me disait à peu près la même chose, mais avec un plus de détails, avec plus de force. Je vous dis, c'était difficile. Parce qu'ici, il dit, si j'ai la douleur, soyez béni. Vous avez pitié de moi, soyez béni. Mais essayez de ne pas me laisser oublier la reconnaissance. Plusieurs années plus tard, j'étais en mesure de lire ça et d'interpréter d'une façon différente. C'est à peu près ce que je vous présente aujourd'hui. En fait, cette phrase-là, cet extrait, il parle un peu de tout ce qu'on vient de parler. Cette idée que ça se peut que la vie ne soit pas, entre guillemets, gentille avec nous. Mais il y a une raison. Ici, on transforme ça en mots dans une prière. On dit à Dieu, si c'est quelque chose pour m'éprouver, c'est pour mon bien, je le sais, que votre main s'apaisante ici. On sait vraiment, peut-être qu'on ne le sait pas, qu'on soit capable d'avoir cette confiance, cette foi de dire OK. Alors, est-ce que c'est facile pour vous de lire ça? C'est lourd. Quand même lourd, hein? Mais ça représente un peu. Cette idée d'être reconnaissant, parce que la reconnaissance dans une tribulation, ça peut nous donner le calme, la patience, la résignation. Ça peut nous mettre dans un mode de vie beaucoup plus facile. La tribulation, la difficulté, elle est toujours là. Ce qu'on ressent avec cette douleur, cette tribulation, ça va dépendre de ce qu'on a comme on reçoit ça. Mon idée vraiment, c'est de pouvoir décider, de choisir comment on va recevoir ça. Oui? Justement, ça, c'est dans l'optique de l'humilité, de cultiver l'humilité. Pour faire un peu l'abus d'humilité, ici, on a vécu longtemps
cette forte approche-là du clergé. Là, oui, oui. Il y a des bonnes choses, mais le défaut, c'est la fatalité, hein, c'est le fatalisme, c'est d'accepter notre sort. Fatalisme, exactement. On accepte le souffrance, la maladie, tout ça, mais là, on devient passif. Alors, Mais je ne sais pas dans quel pays, mais il y a une, je pense que c'est aux Philippines, à l'époque de la semaine 100, semaine 5, les gens vont faire de l'autoflagellation. Des gens qui pensent que se frapper, quand ça fait mal, c'est moi-même qui produis cette douleur, c'est encore mieux. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça ne me servirait pas. Dans quelle mesure ça sert à eux, j'ai aucune idée. Pourquoi ils le font, je ne sais pas non plus. Mais si c'est quelque chose qui leur fait vivre une vie meilleure, qui suis-je pour juger? Moi, je ne serais pas prêt à le faire, mais il y a des gens qui le font. La génération peut être, disons, ça va être l'ego. Voilà. Parce que moi, je crois que le paramètre pour savoir si quelque chose sert ou non, si ça sert aux autres, ça veut dire si ma souffrance, je suis malade, et que grâce à ma maladie, il y a des chercheurs qui ont trouvé un médicament, cette douleur, cette maladie a servi à quelque chose et a servi aux autres. Alors, pas nécessairement. Pourquoi pas nécessairement? Si on était si malade. Si on n'avait pas eu des malades, il n'y aurait pas eu de remède. Non, mais si toi tu es malade, même si ça n'a pas servi à quelqu'un d'autre, elle a servi à toi au moins. Au moins. Oui. Donc, plus de ça, ouais. Plus de ça. Quand les gens vont faire de l'autoflagellation, donc, ça je ne sais pas. Ne jugez pas, on ne pas être jugé, on ne sait pas. On n'est pas dans leur tête. Ça aide peut-être à diminuer le On peut faire des, on peut passer la journée à faire des hypothèses, on ne sait pas. À l'époque, c'était une théologie autour de ça, l'oublier. C'était comme les indulgences, c'était l'histoire de racheter ses péchés. Ah oui, la pénitence. Donc, si je trouve que je n'ai pas assez souffert, je vais souffrir pour encore me racheter, toujours dans l'esprit de racheter son ciel. Alors, c'est dans cette optique, peut-être. Les fils catholiques, les protestants, ils ont mis ça de côté. Il reste encore un gros musulman, cette croyance-là, qu'on peut acheter. Les indulgences existent pour ce pas le même terme, mais chez les musulmans, ils rachètent encore un ciel. Bon. Il y a un livre que je dois vous avouer, ce n'est pas très facile à lire, Psychologie de la gratitude. C'est un livre d'Esprit Joanna de Angelis, c'est très psychologique ça. C'est intéressant. Il y a certains extraits de ce livre-là que je vous ai apporté aujourd'hui. En faisant l'exercice de la gratitude, même avec des erreurs, il arrive un moment où l'individu vit la joie d'être gentil et reconnaissant. Non seulement par des mots, mais principalement par des attitudes. Son existence devient exercice de la gratitude. C'est une chose qu'on va se dire, genre, à partir d'aujourd'hui, je vais faire des exercices, je vais exerciter ma gratitude. Et comment on fait ça? On commence à regarder autour de nous, on commence d'une certaine façon, à créer en nous-mêmes, d'une façon mentale,
cette reconnaissance. Vous allez prendre le métro, avant de prendre le métro, vous allez dire, ah, oh, je suis reconnaissant, il y a un métro qui fonctionne. Vous voyez, avant de manger l'assiette, on va dire, oh, merci, j'ai la possibilité de manger. Donc, c'est un exercice qui nous demande de commencer à faire pour pouvoir arriver à ce moment qu'elle dit, l'individu vit la joie d'être gentil et reconnaissant. Non seulement par des mots, mais principalement par des attitudes. Là, il va travailler en dedans de lui pour pouvoir développer ça, pour former ça en mode de vie. Et là, elle va dire, son existence devient agréable. Elle va ajuster ainsi le cercle de bien-être autour de lui, changeant les paysages émotionnels des organisés. Sinon, Joan de Géange, travailler sa gratitude, c'est ce qui est écrit ici, c'est un outil très fort pour l'amélioration de soi, pour pouvoir s'améliorer. Là, elle dit, la gratitude a le merveilleux pouvoir de transformer le monde. Waouh! C'est-tu vrai, ça? Moi, je pense que oui. Parce qu'en fait, le changement du monde n'est pas fait par décret, n'est pas fait par magie, il est fait par le changement des gens. La gratitude peut nous aider à nous changer, à nous améliorer. On va être meilleur, le monde. Oui? On peut faire des listes. Moi, à un moment donné, quand j'étais très obsédée par le plaindre, alors tu fais des listes de gratitude. Tout ce que tu vois être la gratitude que tu as pour ton corps, pour ton mental, pour ton, les choses matérielles que tu as, les choses des amis, des familles, tout ça. Toute une liste, une grande liste. Chaque fois que tu as envie de te plaindre, tu prends ta liste. C'est un exercice, oui. Chaque fois que tu trouves quelque chose de nouveau, tu le mets dans ta liste. Et après, tu vois que tu as des listes assez grandes. Mais au début, quand tu fais la liste, je suis sûr. J'ai déjà pris du papier pour écrire cette liste. On questionne beaucoup, est-ce que je le mets comme dans la bonne colonne? Est-ce que je dois être reconnaissant parce que j'ai une famille? Non, je dis, à un moment donné, il y a des choses pour avoir un emploi, mais je déteste mon emploi. Ah, je ne suis pas bien dans ma famille. Tu sais, on peut commencer à se questionner, mais l'idée, c'est de pouvoir transformer ça, pas seulement dans des mots, dans le mental, c'est des choses, c'est des sentiments. C'est ça l'idée. Dans le livre, il y a encore d'autres choses. Lorsque Confucius prononça l'expression « agissez avec gentillesse », mais l'idée de ne pas attendre la reconnaissance, ça veut dire « j'ai fait ce que j'ai à faire ». Si l'autre va aimer ça, ne va pas aimer ça, va me dire merci, ne va pas me dire merci, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'énergie que moi j'ai mise ici pour faire ça. Là, il continue encore, elle continue encore. La gratitude a donc un caractère de maturité psychologique, car celui qui agit ainsi a réalisé que tout ce qui lui arrive dépend de beaucoup d'autres personnes qui l'ont aidé à progresser jusqu'au point où il est rendu. Donc, le mot ici que je trouve important, c'est le mot reconnaissance et la maturité psychologique. Pour moi, c'est un secret de bien vivre. Les gens vont faire ce qu'ils ont à faire, pas nécessairement ce qu'on pense qu'ils doivent faire. Rien que ça, c'est déjà un changement majeur dans la vie. Ah, mais normalement, si j'étais dans sa situation à lui, j'aurais fait ça, ça, ça et ça. Oui, lui, c'est pas toi, non? Donc, je dois finir mon travail en disant,
en vous donnant des idées. Une des idées, c'est vivre le moment présent, identifier les raisons de cultiver une profonde gratitude envers Dieu, si nécessaire, se souvenir de l'iceberg, l'idée que je vous ai donnée. Donc, on va vivre le moment présent, puis on va penser à cet iceberg-là qui nous dit ce que je veux avoir au lèvre, aussi ce que j'ai ou je suis déjà. Oui? Vous devez parler de ça. Oui. Mon français, c'est pas bon, mais je vais essayer de parler. Et moi, c'est mon expérience personnelle. Avant de connaître la victoire, je me plains de tout. De toutes les choses mauvaises dans ma vie, de la difficulté monétaire, tout ça. Maintenant, j'ai compris que toutes les difficultés que j'ai vécues sont à cause de mon choix, de la vie passée. Si j'ai vécu des difficultés matérielles, peut-être avant j'ai eu l'opportunité d'avoir de les ressources et je ne peux pas les utiliser très bien. Maintenant, tout ça, difficulté, je comprends que c'est une opportunité d'améliorer et de refaire les choses, de comprendre pourquoi est-ce que Dieu te donne les choses. Mm-hmm. Et c'est pour ça que avant de me plaindre, je suis vraiment content. Il y a la difficulté, mais je sais pourquoi il y a la difficulté. C'est important, c'est exactement ça. Mais ça, c'est un genre éveil intérieur. Chacun va faire un moment donné, une situation donnée. Chacun suit son rythme, fait ses choses de sa façon. Mais c'est ce que je vous présente ici. Il y a beaucoup rapport à ce que moi j'ai vécu. Donc, ce que je mets ici, c'est des choses qui ont du sens pour moi. Peut-être ça va pouvoir vous aider. Exprimer par penser la gratitude envers Dieu dans toutes les situations. Là, je mets le mot dans toutes les situations. Il y a toujours quelque chose qu'on peut exprimer la gratitude, peu importe la situation qu'on vit. Montrer la reconnaissance envers les autres lorsque possible. Il y a certains moments où on a la possibilité de dire merci à quelqu'un. Souvent, on va avoir l'occasion d'envoyer un courriel à quelqu'un qui a fait du bon travail, qui nous a aidés, pour dire à cette personne « Merci beaucoup d'avoir fait ça, c'était utile pour mon travail. » On n'est pas obligé de le faire. Parfois, on ne va pas le faire, on va dire « Ouais, mais l'autre personne a fait son travail. » Donc, elle n'a fait rien d'exceptionnel. Elle a fait son travail. Parfois, un petit courriel comme ça, ça va aider cette personne-là à avoir le sentiment « Waouh, il y a quelqu'un qui dépend de mon travail, peut-être qu'elle ne réalise même pas. » Et en plus, c'est quelqu'un qui a décidé de m'écrire un petit mot pour me dire merci. Encore une fois, c'est des petites choses qu'on peut faire, selon moi, qu'on doit faire. Pas tout le temps, mais si on peut le faire, pourquoi ne pas le faire? La reconnaissance, on a discuté, elle fait bien à la personne qui reçoit, mais elle fait bien aussi à nous. Donc, c'est comme ça qu'on peut, comme Jean-Léon le disait, c'est comme ça qu'on peut changer le monde. Be the change you wish to see in the world. Sois le changement que tu veux. Tu veux voir dans le monde. C'est qui a dit ça? Dalai Lama. Non? Dalai Lama. Be the change, mais sois le changement que tu veux voir. Donc, c'est ça que j'avais à vous présenter. Je propose terminer ma présentation avec un poème sur la gratitude.
ça peut être comme une prière. Donc, je ne sais pas trop ce que ça parle. C'est quand même long. Donc, plutôt que d'avoir une prière, je vais vous lire ça. Si vous voulez. Hein? Oui. Je repasse le relais après, donc okay. On va fermer les yeux, se calmer, après la prière, on fera passe. Merci, la vie spirituelle. Ouvrir notre cœur pour être signe de la gratitude. Merci le Seigneur qui nous donne cette vie. Ouvrons ainsi notre pensée, notre cœur à la prière. En lui, la gratitude. Merci Seigneur. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as donné. Merci beaucoup pour tout ce que tu me donnes. Merci pour le pain, pour la vie, pour l'air, pour la paix. Merci pour la beauté que mes yeux voient sur l'autel de la nature. Des yeux qui regardent le ciel, la terre et la mer. Des yeux qui accompagnent l'oiseau rapide. Qui vole joyeux à travers le ciel bleu indigo. Des yeux qui s'arrêtent sur la colline verte parsemée des fleurs de mille couleurs. Merci Seigneur parce que je peux voir mon amour. Mais avec mes yeux, je vois des aveugles qui se déplacent dans le noir, qui trébuchent dans la foule, qui pleurent dans la solitude. Pour eux, Seigneur, je prie et je t'implore de la compassion, parce que je sais qu'après cette vie difficile, dans l'autre vie, ils pourront voir eux aussi. Merci Seigneur pour mes oreilles qui m'ont été données par Dieu, mes oreilles qui entendent le bruit de la pluie sur le toit, la mélodie du vent dans les branches de l'orme, les larmes que versent les yeux du monde entier. Des oreilles qui écoutent la musique des gens qui descendent des montagnes pour chanter en ville, la mélodie des immortels qu'on entend une fois et qu'on n'oublie jamais. La voix mélodieuse et mélancolique du cowboy, mais aussi la douleur que j'ai mis et pleure dans le cœur du monde entier. Pour ma joie d'entendre, je veux te demander de la compassion pour les sourds, parce que je sais qu'après cette douleur, dans votre royaume d'amour, ils pourront entendre eux aussi. Merci pour ma voix, mais aussi pour ta voix, pour la voix qui chante, qui aime, qui enseigne, qui alphabétise, qui fredonne une chanson, et qui prononce ton nom avec beaucoup d'émotion. Devant la mélodie, je te demande la compassion pour ceux qui sont muets. Ils ne chantent pas la nuit, ils ne parlent pas le jour. J'ai prié pour eux parce que je sais qu'après cette épreuve, dans la nouvelle vie, ils chanteront aussi. Merci Seigneur pour mes mains, mais aussi pour les mains qui travaillent la terre, les mains qui sèment, qui accueillent, les mains de tendresse qui minimisent l'amertume, les mains qui servent des mains, mains de charité, de solidarité, mains d'adieu. Mains qui sont blessées, qui essuient des larmes et la souffrance. Des mains de symphonie, de poésie, de chirurgie, de psychographie. Des mains qui aident la vieillesse, la douleur, le chagrin. Merci pour les mains qui bercent un enfant inconnu sans peur. Et pour les pieds qui me font marcher sans me plaindre. Merci Seigneur parce que je peux bouger. Mais avec mon corps parfait, je veux te supplier, car je vois sur la terre des infirmes, des amputés, des paralysés qui ne peuvent pas bouger. J'ai prié pour eux parce que je sais qu'après cette expiation,
dans votre réincarnation, ils danseront eux aussi. Merci enfin pour ma maison, mon foyer. C'est tellement merveilleux d'avoir un foyer. Peu importe si ce foyer est un manoir, une cabane, un abri, un bungalow. Qu'à l'intérieur, il puisse y avoir de l'amour de la mère ou du père, de la femme ou du mari, du fils ou du frère. Qu'il puisse y avoir la présence d'un ami, de la compagnie, du chien, quelqu'un qui puisse nous donner la main. Mais si je n'ai personne pour m'aider, même pas un toit pour me protéger, ni même un lit pour me coucher, je ne me plaindrai pas. Au contraire, je vais te dire merci Seigneur, parce que je suis né. Merci parce que je crois en toi. Pour tout ton amour, merci Seigneur. Poème de gratitude, Amélie Rodriguez. Merci de votre attention.